Je m'appelle Maurice, je suis apiculteur. Donc Maurice, explique-moi ton métier. Alors mon métier, c'est apiculteur, c'est élever des abeilles, c'est produire du miel. Qu'est-ce que mangent les abeilles ? Qu'est-ce que mangent les abeilles ? Une abeille, elle vit d'une bouillie de miel et de pollen. Est-ce qu'elle pollinise certaines fleurs en particulier ou c'est à peu près toutes les fleurs ? Alors, elles ne vont pas sur toutes les fleurs. Elles vont aller surtout sur les fleurs qui produisent aussi du miel. Est-ce que vous arrivez des fois à approcher vos abeilles ? On approche toujours nos abeilles protégées. C'est-à-dire qu'on a notre tenue, le masque, les gants, pour être protégé et surtout pour être capable, et ça j'insiste là-dessus, qu'on ne doit jamais toucher aux ruches sans les équipements de protection. Quoi sur vos bottes il y a des numéros ? Alors le numéro qu'on voit sur nos ruches là, c'est le 310750, c'est le numéro d'identification, un petit peu comme ce qu'ont les vaches ou les brebis à l'oreille. Voilà, c'est exactement la même chose. Les abeilles, elles peuvent vivre à peu près jusqu'à quel âge ? Alors une abeille, elle va vivre pendant l'été, elle va vivre un mois et demi. Par contre, les abeilles qui vont naître à l'automne, elles vont passer tout l'hiver et mourront au printemps, quand les jeunes abeilles, les premières, vont naître. Une reine, elle va vivre jusqu'à 3 ans, voire 4 ans. Et elle va pouvoir pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Wow. Vous avez à peu près combien d'abeilles ? Alors combien de ruches ? Ça je peux te le dire, puisqu'on a c'est à peu près 1000 ruches. Mm-hmm. En période d'été, sur ces 1000 ruches, on travaille avec des moyennes entre 50 et 70 000 abeilles par ruche. Vous avez à peu près de combien de kilos de miel par mois ? Je vais dire aujourd'hui, on peut avoir des variations énormes de récolte en fonction du climat. Et donc on va varier nos moyennes de récolte de 25 à 50 kilos par ruche et par an.